Merci, 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 merci. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Shalom à nous tous qui sommes déjà connectés ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Merci à vous. Que Dieu nous bénisse. Merci, merci, merci. Shalom à tout le monde. Shalom à tous les précédeurs d'aurore. Merci à vous qui êtes en train de précéder l'aurore ce matin avec moi. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Veuillez nous connecter et partager la vidéo si cela est possible. Shalom à vous, shalom papa, shalom maman. Que Dieu nous bénisse. Et donc, nous sommes là pour passer du bon moment dans la présence de Dieu. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subissent pas devant tes yeux, nous dit le psaume chapitre 5. Voilà, donc bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la présence de Dieu, nous voulons passer du bon moment dans la présence de notre Créateur. Et ce matin, nous sommes dans la délivrance du mariage, nous parlons du couple quand le couple est en crise. Donc aujourd'hui, nous voulons encore reprendre là où nous étions arrêtés hier. Nous sommes en train de parler des quatre choses que nous devons savoir sur le divorce. Donc, quatre choses que nous devons prendre en considération si nous avions l'idée de divorcer. Donc, nous voulons connaître, voilà, ces quatre choses qui sont très importantes pour nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 2, Malachie chapitre 2. Ok, gloire à Dieu. Donc, Malachie chapitre 2. Oui, et là, nous lisons le verset Malachie chapitre 2, le verset 13 jusqu'au verset 16. Malachie chapitre 2, le verset 13 jusqu'au verset 16. Donc, voilà, bienvenue dans le Seigneur. Ça, c'est notre lecture du jour. Donc, c'est là que nous allons nous arrêter parce qu'il est important que nous puissions comprendre la Bible. Qu'est-ce que quand dit la Bible à propos du divorce? Donc, c'est un terme qui est très important. Demain, je vais parler de divorce et des remariages. Mais aujourd'hui, je voulais encore retourner à notre thème d'hier parce qu'il y a des gens qui m'ont téléphoné pour me poser certaines questions que je voudrais aussi répondre aujourd'hui. Et hier aussi, j'avais un problème avec le réseau. Donc, il y avait un moment où ça bégayait. Donc, aujourd'hui, nous voulons encore recommencer avec cet enseignement qui est vraiment très capital pour la vie de tout un chacun. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans Malachie chapitre 2, le verset 13, donc là, la Bible nous parle du mariage. La Bible nous dit dans le verset 14, Dieu est lui-même témoin. Donc, il a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Donc, il est important que nous puissions prendre au sérieux l'engagement que nous prenons dans le mariage. D'accord. Donc, il est très important que nous puissions prendre cet engagement au sérieux parce que s'il y a un témoin, le premier témoin du mariage s'appelle le créateur du mariage, donc celui qui a conçu le mariage, celui qui a créé le mariage. Donc, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous sommes en train de parler du mariage. Il y a des disputes incessantes dans ton couple. Il y a des paroles blessantes. Il y a l'infidélité. Il y a la rancune qui s'est installée dans ton couple. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est quoi la décision que tu veux prendre? Je vous ai parlé du mariage comme étant une maison. Nous avons dit que si la maison est mal entretenue, si la maison est délabrée et si la maison a essuyé de nombreuses tempêtes, c'est possible que pour finir, cette maison devient fragile, d'accord? Donc, cette maison devient fragile et son écroulement semble imminent. Donc, je voulais dire que donc la maison est devenue fragile. Donc, vous êtes le propriétaire de la maison. Je parle du mari et je parle de son épouse. Vous êtes les responsables de cette maison. Vous avez la décision. Ou bien, vous allez restaurer la maison, c'est-à-dire que arranger ce qui a été détruit par la tempête, arranger ce qui a été détruit par les disputes incessantes, arranger ce qui a été détruit par des
paroles blessantes, c'est possible que nous puissions arranger. Et donc, il est possible que nous puissions arranger ce que le rancune a détruit au sein de votre couple. Donc, vous avez la décision, ou bien vous dites, d'accord, je ne veux pas arranger, je vais directement démolir la maison. Donc, moi, je suis là pas simplement pour vous dire ce que vous devez faire. Non, je suis là juste pour vous montrer la bonne voie, la voie de Dieu, la voie par excellence. Bien-aimé dans le Seigneur, le divorce n'est pas profitable. Donc, le divorce n'est pas une bonne chose. Le divorce n'est pas quelque chose que nous devions conseiller à une personne. Donc, avant de divorcer, il est important que nous puissions réfléchir. Donc, que nous puissions demander à Dieu, surtout à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le concepteur du mariage. C'est lui qui a conçu le mariage. Donc, aujourd'hui, nous allons considérer quatre choses et quatre choses qui sont très importantes avant de prendre la décision de divorcer. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous voulons parler aujourd'hui. Je sais que votre mariage semble fragile et donc je sais que son effondrement est imminent, comme je voulais le dire, mais je voulais vous poser la question, le divorce est-il vraiment la solution? Alléluia. Donc, c'est une question que je voudrais te poser. Est-ce que le divorce est-il vraiment la solution, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, nous voyons tout le monde divorce. Alléluia. Tout le monde divorce. Donc, le taux de divorce ne peut pas être, ne peut pas être, non, le pourcentage de divorce dans nos pays, dans nos églises, bien-aimé dans le Seigneur, on ne sait plus le compter. Le gens se marient aujourd'hui et demain, tu attends qu'ils se sont divorcés. D'accord? Donc, donc le gens divorce pour un oui et pour un non. De la même manière que le gens se marie, de la même manière aussi le gens divorce. Donc, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la question que je voudrais que tu puisses répondre. Je sais qu'il y a des problèmes dans ton couple, mais le divorce est-il vraiment la solution? La question que je voudrais te poser, est-ce que le divorce est-il vraiment la solution? Je sais que le mariage n'est pas facile. Au début d'une relation, il y a plein d'amour, il y a plein de promesses. Mais au fur et à mesure, Seigneur, que nous avançons, bien-aimés dans le Seigneur, la douleur prend place dans nos couples. Alléluia. Mais la solution est-elle vraiment le divorce? Donc, le divorce est-il vraiment la solution au problème que tu rencontres dans ton couple? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution à ces problèmes? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le dis, nous allons considérer quatre points. Quatre points qui vont vraiment nous aider, quatre points qui est très important, bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne, nous allons estimer les dommages. Nous sommes le propriétaire de la maison, donc nous avons le choix ou bien de démolir la maison ou de sauver la maison, d'accord? Donc cette maison, c'est quoi? Cette maison, c'est ton couple, donc tu as le choix. Je dis bien que tu as le choix ou tu démolis la maison, c'est-à-dire que tu divorces ou encore tu sauves la maison, c'est-à-dire que tu vas arranger les endroits qui ont été victimes de la tempête. Donc tu peux arranger, bien-aimé dans le Seigneur, là où les choses n'ont pas marché, d'accord? Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous voulons dire encore aujourd'hui à travers de cet enseignement. Donc la Bible nous dit que Dieu est le témoin de notre mariage. Donc le mariage pour Dieu est un lien permanent. Donc, quand on se marie, Dieu nous dit, on se marie pour la vie, d'accord? Je dis demain, je vais répondre à la question, est-ce que le divorce, le remariage est-il permis pour un enfant de Dieu? Demain, je vais répondre à la question, mais je voulais commencer en disant que quand on se marie pas pour divorcer. D'accord? On se marie pour la vie, d'accord? Donc, pour Dieu, le lien du mariage, c'est un lien sacré. C'est un lien qui est permanent, d'accord? Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 6. La Bible nous dit, nous ne sommes plus deux, mais nous sommes une seule chair. D'accord? Donc, la Bible nous dit encore, nous sommes nous sommes attelés au même joug.
Alléluia. Et la Bible continue en disant que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui séparez le couple que Dieu a uni, vous devez savoir que vous avez un problème avec le témoin du mariage. Vous avez un problème avec celui qui les avait unis. Bien-aimé dans le Seigneur, ne rentre pas dans les histoires qui concernent le mariage. Laisse ton frère gérer son propre mariage. Laisse ton fils gérer son propre mariage. Même lorsqu'il y a question d'infidélité, ce n'est pas à toi d'encourager ton frère en disant ah tu dois rompre ce mariage parce que cette femme-là elle ne te mérite pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette femme-là ne la mérite pas, elle ne le mérite pas, ce n'est pas toi qui mérites ton frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible nous dit l'homme doit quitter son père et sa mère et il doit s'attacher à sa femme et les deux doivent devenir une seule chair. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que celui qui pousse les autres au divorce, il doit comprendre qu'il a un problème, pas avec le juge de l'instruction, mais tu as un problème avec Dieu. La Bible nous dit que personne ne sépare pas ton fils avec ta femme, avec sa femme. Ne sépare pas, bien-aimé dans le Seigneur, ta fille avec son mari. Peu importe le problème qu'ils sont en train de passer dans leur couple. Bien-aimé, comme je le dis, nous avons la solution. Ou bien nous faisons la démolition de la maison, ou bien encore, qu'est-ce que nous avions? Nous allons essayer de sauver la maison. Alléluia. Donc, il est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Je parle d'un couple qui est en crise. Je parle d'un couple où il y a des problèmes. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimé, la Bible nous dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. Nous ne pouvons plus le séparer parce que si nous le séparons, nous le détruisons. Alléluia. Je vis un oncle et qui a été détruit et à cause du mariage. Donc il avait surpris sa femme. Donc c'est pas lui qui avait surpris sa femme. Donc les autres membres de la famille avaient surpris sa femme en adultère et ils l'ont poussé à divorcer. Mais cet homme aimait toujours sa femme. Et après le divorce, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme et la femme continuaient à se voir dans le secret. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il y a eu beaucoup de problèmes pour finir. Les deux sont morts. Donc bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un conseil aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un. Ne pousse pas les autres à divorcer. Donc, ce n'est pas toi qui dois être la cause de divorce des autres. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, devant le tribunal céleste, nous allons répondre. Nous allons répondre devant Dieu pourquoi nous avions permis aux autres de divorcer. Bien aimé, toutefois, la Bible nous montre qu'il est possible que nous puissions divorcer, d'accord? La Bible est d'accord que les hommes puissent divorcer quand tu as, comme je le dis, Dieu permet le divorce, mais Dieu n'est pas pour le divorce, d'accord? Donc, Dieu permet le divorce au cas où il y a l'infidélité, au cas où il y a des relations sexuelles extra-conjugales, d'accord? C'est pourquoi je dis, il est important que nous puissions travailler pour le maintien de notre couple. D'accord? Donc, lorsqu'il y a, il y a, il y a de relations sexuelles extra-conjugales, Dieu nous permet de divorcer. Mais là encore, je voulais dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aussi pardonner. C'est pas parce que l'autre a déconné, comme on le dit, que toi aussi tu es obligé de divorcer. Alléluia. Donc, le pardon est encore plus possible. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ah, il y a surtout avec les hommes de Dieu, et je ne suis pas d'accord avec cette attitude où les gens exposent leur femme en disant que non, elle a couché avec un tel frère, on l'a surpris dans le lit conjugal, donc elle a sué le lit conjugal, donc elle est une femme, elle mérite la lapidation, tout ça. Non, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes au temps de la grâce. Si Dieu nous pardonne, pourquoi ne pas pardonner ton épouse? Pourquoi ne pas pardonner ton mari? Donc, je suis encore en train d'insister sur le pardon. Le pardon est très important. Je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 14, le verset 15. Quiconque est inexpérimenté ajoute la foi toute parole, mais l'homme astucieux est attentif à ses pas. Donc, nous devons être attentifs à nos pas. Alléluia, nous devons faire très attention
très attention, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc voilà, bien-aimé, je voulais que tu puisses comprendre ces choses. D'accord? Donc tu as pris la décision, tu as dit, apôtre, oui, moi, je n'en peux plus, je vais divorcer parce que si je restais dans ce mariage, je vais mourir. Là, bien-aimé, dans le Seigneur, je te dirai, pour moi, la chose la plus importante, ce n'est pas le mariage. Donc j'aimerais vraiment que tu restes en vie. Et si tu crois que le divorce est la seule solution qui te reste, je voudrais quand même te parler aujourd'hui des quatre conséquences qui est due au divorce. La première conséquence, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons parler des problèmes financiers. D'accord? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, après les divorces, laisse-moi te dire que tu vas reconnaître des problèmes financiers. Tu vas les connaître. Tous ceux qui sont divorcés, ils nous le diront, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, après les divorces, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas connaître les difficultés financières. D'accord? Tu en auras. Alléluia. Donc, il faut déjà se préparer que quand vous allez vous séparer, tu vas connaître ce genre de problème. Comment, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que tu vas commencer à gérer certaines choses et qui étaient gérées à deux, tu seras amené à les gérer toutes seules. D'accord? Donc, supposons que vous avez acheté une maison et l'autre va partir. Donc, et pendant cette période de crise, je ne crois pas qu'il va contribuer pour le paiement de la maison. Il va l'abandonner. D'accord? Donc, toi qui veux garder la maison, il faut savoir que tu vas être amené à prendre toute la charge de ces crédits. Donc, tu vas rencontrer des problèmes financiers. Alléluia. Il y a des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais dire que dès que vous vous séparez, la situation financière va tourner au désastre. Donc, quand vous vous séparez, je crois que ceux qui sont passés par là nous le diront, la situation financière va tourner au désastre. Alléluia. Donc parfois tu vas manquer même l'argent pour dîner. Il y a une personne qui m'a dit, apôtre, après mon divorce, j'ai connu des moments très difficiles. Il y avait des moments où j'avais même pas à quoi manger. Donc et pendant ce temps, je devais rembourser à la fin du mois. Je l'appelais pour lui dire, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses donner ta part? Il m'a dit, mais pourquoi tu m'appelles? Nous sommes déjà séparés. Tu as voulu le divorce. Alors assume ton divorce. D'accord? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi à des problèmes financiers. Alléluia. Donc, il est important, bien-aimé dans le Seigneur, et le pourcentage, selon les sondages, on dit 11% des hommes et 17% des femmes ont des difficultés très sérieuses après le divorce. Donc, surtout d'ordre financier. D'accord? Donc, ce sont des difficultés, donc, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si vous divorcez aujourd'hui, votre revenu pourra diminuer. Donc, il y a certains revenus qui sont dus du fait que nous sommes au couple, nous sommes dans un couple. D'accord? Donc, dès que nous divorçons, ces revenus peut diminuer, d'accord? Donc, ce revenu peut diminuer et il faut commencer à gérer certaines choses que vous n'étiez pas en train de gérer avant. C'est pourquoi je donnerai le verset de 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. Donc, la Bible nous dit quoi? En effet, si quelqu'un ne sait pas prendre soin des siens, il est pire qu'un infidèle. D'accord? Donc il faut prévoir toutes ces choses, surtout au niveau du finance. Il faut déjà comprendre que tu auras des difficultés au niveau du finance. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ton mari a eu une aventure avec ta sœur ou encore avec ta copine. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment, est-ce que le divorce, c'est la solution? Alléluia. Est-ce que le divorce, c'est la solution? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour des couples qui ont des enfants, pour des couples qui sont mariés, tu dois prendre en considération l'éducation de tes enfants. Donc, si le premier problème que tu auras sera le problème d'ordre financier, mais le deuxième problème que nous aurons, bien aimé dans le Seigneur, c'est le problème de l'éducation de nos enfants. Alléluia. Donc, l'éducation de tes enfants. Tes enfants, vous savez, ce n'est pas la même chose qu'une mère éduque son enfant, un homme aussi éduque son enfant. Vous savez, ton enfant, aujourd'hui, il a 5 ans, il a 6 ans, tu arrives à les gérer. D'accord? Mais à l'âge de 16 ans, bien-aimé dans le Seigneur, le moment qui ont des garçons qui ont dépassé l'âge de 16 ans, c'est-à-dire que les enfants que nous appelons des adolescents, bien-aimé dans le Seigneur, c'est facile qu'il y a un homme pour le gérer.
Donc aujourd'hui, c'est normal parce qu'il a 2 ans, il a 3 ans, tu arrives parce que tu es une mère forte. Mais quand cet enfant va développer un caractère d'homme, quand il va commencer à passer par des troubles d'adolescence, bien aimé dans le Seigneur, il te serait difficile. Donc toi qui veux t'engager dans le divorce, il faut déjà commencer à penser, bien aimé dans le Seigneur, il faut commencer à penser à l'éducation de tes enfants. L'éducation de tes enfants. Vous savez, le victime de divorce aujourd'hui, ce sont qui, bien aimé dans le Seigneur? Ce sont nos enfants. Donc nos enfants, ce sont des victimes de nos divorces. Alléluia. Pense à l'éducation de tes enfants. Tu dois penser à l'éducation de tes enfants. Une garde alternée peut poser des problèmes supplémentaires. Alléluia. Donc, bien-aimé, une garde alternée. Tu dis que d'accord, on aura une garde alternée. Lui pourra avoir ses enfants et de temps en temps. Et puis moi aussi, moi je vais garder les enfants. Je vais rester avec les enfants. Ah, c'est moi qui aura les allocations. C'est moi qui aura, je sais pas quoi. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, même une garde alternée a des problèmes supplémentaires. Alléluia. Bien-aimé, tu seras amené à faire des devoirs de tes enfants tout seul. Alléluia. Parfois, il y a des gens qui essaient encore de négocier avec leur ex pour dire que moi, je dois travailler. Est-ce que c'est possible que tu viens rester avec tes enfants parce que je commence à perdre mon travail à cause de tes enfants. Donc, le divorce en soi, au lieu que ça puisse créer la paix, ça commence encore à te troubler plus que les difficultés que tu avais dans ton couple. Alléluia. Je vous assure, beaucoup de ceux qui ont divorcé, ils m'ont dit que si c'est à refaire, ils n'allaient pas divorcer, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc je dis, la garde, on peut te le donner, le tribunal peut te donner la garde des enfants, mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que ces gens-là, surtout lorsqu'il y a la garde alternée, qu'est-ce qui se passe? Le tribunal, ils vont même pas regarder par rapport à ton emploi du temps. Ils vont dire, d'accord, chaque week-end, tu dois garder les enfants. Mais si toi, tu travaillais le week-end, bien-aimé dans le Seigneur, tu vois un peu le problème. Alors là, tu vas commencer à avoir des problèmes avec des enfants. Tu vas détester tes propres enfants. Et donc, voilà. Parfois, tu attends que l'autre paye comment dirais-je, la pension alimentaire. Et il n'envoie pas la pension alimentaire. Donc, il y a encore tout autant de problèmes, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il n'est pas facile de collaborer avec son ex. Il n'est pas facile de collaborer avec son ex. Il va te compliquer la vie comme tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions prendre des dispositifs relatifs quand nous voulons nous engager au divorce. Prenez déjà des dispositions. Sachez déjà comment vous allez faire avec les enfants. Sachez déjà comment vous allez faire avec le problème financier. C'est très important. Ça, je parlais du problème des enfants, c'est-à-dire l'éducation des enfants, et je parlais aussi des problèmes de finances. Maintenant, je vais arrêter avec les autres. Je voulais parler de toi. Je voudrais parler de toi parce que le troisième point que nous sommes en train de parler, ce sont les effets que le divorce aura sur ta vie, ta propre vie. Je ne parle pas de la vie des autres. Je voudrais parler de ta propre vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es divorcé, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est pas facile. Je voudrais dire surtout au niveau des sentiments. Alléluia. C'est pas parce que tu es divorcé que tu n'auras plus de sentiments vis-à-vis de ton ex. Donc il y a des gens qui sont divorcés mais qui ont gardé le même sentiment. Donc tu as même du mal à rencontrer une autre personne, à faire de bonnes rencontres et à aimer une autre personne parce que donc malgré le fait que vous avez divorcé, mais tu as toujours des sentiments sur cet homme-là. D'accord? Donc, vous avez divorcé, mais vous avez toujours, surtout si c'est les autres qui vous ont poussé au divorce. Vous savez, parfois, c'est la famille qui est derrière. La famille va te pousser. La famille va te pousser. Ils vont te pousser. Les amis aussi vont te pousser. Ah, cet homme-là ne te mérite pas. Ah, cet homme-là t'humilie devant les gens. Ah, cet homme-là te déshonore. Tu seras mieux sans cet homme-là. Ah, mieux vaut être seul que vivre avec une telle personne. Ils seront là derrière toi. Ils vont te pousser à divorcer. Mais bien-aimé, non, le Seigneur, ces gens-là ne savent pas ce qui passe dans ton cœur. Ils ne savent pas ce qui se passe en toi. Alléluia. Donc, une fois que le divorce sera consommé, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes, des tensions à cause du divorce. Tu lui poses la question, pourquoi tu as divorcé? Et tu vas regarder, c'est parce qu'il a été poussé par des autres. D'accord? Donc, tu as été poussé par des autres, mais tu avais encore de l'amour pour ton ex.
Combien se sont encore réconciliés après le divorce? Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a eu des dégâts et des dégâts. Maintenant, il faut quoi? Il faut encore reconstruire. Il faut quoi? Il faut encore sauver. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire la troisième chose. Le divorce aura des effets sur ta vie. Le divorce aura des effets sur ta vie. Le divorce peut te détruire. Tu vas commencer à détester les femmes. Tu vas commencer à détester les hommes. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à l'hôpital à cause de divorce. Après le divorce, ils ont connu des problèmes de santé. D'accord, des problèmes de hypertension, des problèmes de hypotension, et tout ça, il faut préparer, bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut être fort. Alléluia. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne solution. Je suis venu décourager quelqu'un. Je dis, il faut réfléchir. Le pardon vaut mieux, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux encore pardonner, s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux encore pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je voudrais dire que le divorce, ce n'est pas la bonne solution. Alléluia. Donc, il y a le problème de l'éducation des enfants, il y a le problème financier, il y a le problème, ton problème. Je parle de toi. Je vous ai parlé de mon oncle. Il aimait tellement sa femme et la famille n'était pas d'accord avec avec sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu lui dire qu'on a surpris sa femme avec un bijoutier. Vous savez, à l'époque au Congo, le bijoutier avait vraiment comment dirais-je, une renommée. Le femme aimait le bijoutier parce que c'est elle qui faisait des bijoux pour les dents, c'est elle qui faisait des bijoux. Et la femme a été surprise avec un bijoutier. Donc la famille a forcé l'homme à se séparés de sa femme et ils se sont séparés, ils ont divorcé, d'accord, mais ils étaient malheureux. En fait, ils continuaient à s'aimer, d'accord. Donc, ils continuaient à s'aimer, mais comme beaucoup étaient rentrés dans cette histoire, l'homme a fini par chasser sa femme. Donc, ils ont divorcé. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais te dire que le divorce les a détruits, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Après s'être divorcé, l'autre est mort. Donc, les deux sont morts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'autre qui est parti, elle a attrapé la maladie de l'époque, c'est-à-dire le sida, et continue à se voir dans le secret. Et c'est dans ces secrets-là que les deux sont partis. Alléluia. Donc, je voulais dire à quelqu'un, le divorce aura des conséquences sur ta propre vie. Donc, pense tout d'abord à ta propre vie. Vous savez, en ce qui concerne le problème du cœur, il faut parfois être égoïste. Donc, les gens-là qui sont en train de te pousser à divorcer, ils ne seront pas là. Quand tu vas commencer à passer des nuits blanches, et ils ne seront pas là. Ils seront peut-être avec leurs femmes. D'accord? Ils seront avec leurs enfants. Mais toi, tu seras seul, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je dis, il faut réfléchir. Alléluia. Il faut réfléchir. Moi, je dis parfois, il faut être égoïste. Donc, tu arranges ton couple. Alléluia. La Bible nous dit, et donc, celui qui est lent à la colère, bien-aimé dans le Seigneur, a d'abondance de discernement. Alléluia. Mais la patience exalte la sottise. Alléluia. Proverbe chapitre 14, le verset 29. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis, il est important. Il est important de prendre ton temps. Ne prends pas la décision parce que les autres t'ont dit, ah oui, prends la décision, cette femme-là, tu dois la quitter. Non, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Prends le temps de prendre la décision. Ne prends jamais des décisions parce que tu es en colère. La Bible nous dit, lorsque nous sommes en colère, nous ne devons pas parler, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons surtout pas prendre de décisions. Ah, parce que tu as entendu, et ou bien tu l'as vu, ou bien tu l'as surpris en flagrance de l'adultère, et cela va te pousser à tout détruire. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la bonne solution. Ne détruis pas, ne prends pas des solution sous l'emprise de la colère, ce n'est pas une bonne chose. D'accord? Donc ça c'est important, je parlais du troisième point et je vais m'arrêter ici. Le quatrième point, bien-aimé dans le Seigneur, le quatrième point c'est quoi? C'est les effets que le divorce a sur nos enfants. D'accord? Je parlais plusieurs fois avec des enfants divorcés. D'accord? La maman et le père se sont séparés et aujourd'hui la maman a un autre homme dans sa vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que la maman ne sait pas. C'est la souffrance qu'a les enfants.
Alléluia. Les enfants, ils souffrent, bien-aimés dans le Seigneur. Quand ils voient l'autre avec leur papa, c'est-à-dire dans le couple recomposé, et ils voient le petit frère avec son papa, ou encore la petite sœur avec son papa, mais lui, son papa n'est pas là, bien-aimés dans le Seigneur. Cela crée des problèmes même avec nos enfants. Ce n'est pas une bonne chose. Si nous pouvons éviter cela, bien-aimés dans le Seigneur, ça serait une très bonne chose. Comme je l'ai dit, donc les enfants sont le victime, bien-aimés dans le Seigneur, de nos divorces. Alléluia. Donc, est-ce que tu peux penser à tes enfants? Est-ce que tu dois pas être égoïste, bien-aimé dans le Seigneur? Pense à tes enfants. Pense à l'effet que le divorce aura sur toi, mais pense surtout aussi à l'effet que le divorce aura sur tes enfants. Alléluia. Les enfants sont souvent, comme je dis, des victimes oubliées sur le champ de bataille des divorces. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que faire alors quand les parents ne s'entendent pas? Alléluia, ils sont là, ils regardent, ils disent, mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment faire pour que les parents s'attendent? Comment faire pour qu'ils restent ensemble, bien-aimés dans le Seigneur? Les enfants, ils souffrent, ils sont malheureux. À l'école, les enfants n'ont plus de bons points. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que le parent n'arrive pas à gérer leurs problèmes, parce que les parents sont divorcés. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les quatre effets que je voulais que tu puisses prendre en considération. Toi qui veux rentrer dans le divorce, dont ces choses sont vraiment importantes, tu dois le prendre en considération. La solution, c'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Je dis, tu peux encore sauver ton couple. Tu peux encore sauver ton couple. Vous pouvez encore sauver votre couple, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes le propriétaire de votre maison. Alléluia. C'est vrai que votre maison est en mauvais état, mais bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez décider de la restaurer. Vous pouvez décider de la restaurer. Comment, bien-aimé dans le Seigneur? Apprenant la résolution. Prenez la résolution. Alléluia. Prenez la résolution. Identifiez votre problème. Fixez-vous des objectifs. Je vous ai parlé de ce qu'on doit faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour sauver un couple. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas suivi cet enseignement, essaye de voir un peu dans ma page. Tu verras comment sauver son couple. Et si vous voulez, demain, je vais encore répondre comment nous pouvons sauver nos couples lorsque notre couple se trouve en crise. Donc, demain, je peux encore revenir. Alléluia. Donc, il faut vraiment que, bien-aimé dans le Seigneur, que vous puissiez. Voilà. Donc, ma sœur m'a dit, il faut renouveler notre système de pensée. Alléluia. Donc, ici, nous donnons vraiment la pensée de Dieu. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, s'il est possible d'éviter les divorces, ça serait une très bonne chose pour nous. Et ça serait une très bonne chose pour nous. Donc, réfléchis. Réfléchis, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des solutions, il y a des solutions. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Nous pouvons sauver ton couple. Donc, si tu as un couple qui a un problème, essaye de m'écrire, essaye de m'écrire, et ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous pourrons rentrer en contact et comment est-ce que nous pouvons faire pour que le Seigneur nous donne la sagesse de sauver ton couple. Donc, pour moi, la chose la plus importante, ce n'est pas de démolir la maison, c'est de restaurer la maison. Quelle que soit la tempête qui a soufflé dans ta maison, quel que soit le mot blessant, quelles que soient les difficultés que tu connais, quelle que soit la rancune ou encore l'infidélité de ton conjoint, appelle-moi, nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, à faire en sorte que tu puisses encore regagner cet homme, et tu peux encore reconquérir cet homme, tu peux encore arranger, bien-aimé dans le Seigneur, avant qu'il en soit trop tard. Donc voilà ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir des pensées positives, affronter la vie avec force et courage. La vie n'est pas facile. La vie ne te fera pas des cadeaux. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun homme qui soit pas parfait, même pas celui-là qui est en train de courir derrière toi. Donc, il court derrière toi parce qu'il sait que tu es dans une autre, dans un autre couple. Mais lorsque tu sortiras, tu sauras que c'est lui aussi, c'est un aventurier, c'est un escroc. D'accord? Donc, c'est pas un homme parfait. Il y a pas d'homme parfait. Il y a pas de femme parfaite, bien-aimé dans le Seigneur. Essaye de sauver ton mariage. Essaye de sauver ton couple. Si cela est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, c'est que je voulais partager avec nous. Essaye vraiment de sauver ton couple. Demain, si Dieu le permet, nous allons parler, nous allons répondre à la question. Est-ce qu'un chrétien peut-il se remarier? Est-ce qu'un chrétien peut-il divorcer?
D'accord? Donc aujourd'hui, je parlais des quatre choses que tu dois savoir sur le divorce, mais demain, je veux répondre à la question, est-ce que toi, tu peux te remarier? Est-ce que Dieu est pour le remariage? Est-ce que Dieu est pour le divorce? Tout ça, on en parlera demain. Ou bien, si vous voulez, je peux encore répondre à la question, comment sauver ton couple? Comment sauver ton couple? On peut toujours continuer et à montrer encore certains d'autres éléments, peut-être que nous n'avons pas encore touché jusque-là, qui vont nous aider à sauver notre couple. Donc, c'est à vous de me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est à vous de me dire qu'est-ce que nous allons prendre comme enseignement demain. Donc, je vous ai proposé des enseignements et choisissez une comme ça, pardon, choisissez un comme ça, on va essayer de développer. Que Dieu nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes devant sa présence ce matin. Nous voulons lui dire merci. Merci parce que la révélation de sa parole nous éclaire. Merci parce que la révélation de sa parole nous donne de l'intelligence. Élève ta voix et dis-lui merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Oh, j'étais sur le point de prendre la décision de quitter ce ménage parce que ça fait 20 ans que je souffre, 20 ans que je parle et il ne m'attend pas, 20 ans Seigneur que je suis en train de souffrir et j'en ai assez, j'en avais marre. J'avais déjà décidé de quitter. Je crois qu'à travers ton serviteur, tu m'en as vraiment parlé. C'est pourquoi je suis content et je voudrais te dire encore merci parce que tu es Dieu. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier maintenant. Allez, est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour cet enseignement que tu as reçu ce matin? Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci. La révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. J'attends quelqu'un qui dit merci à Dieu ce matin. Ah, j'attends quelqu'un qui dit merci à Dieu ce matin. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la vie. Oh, dis-lui merci parce qu'il t'a donné la santé. Dis-lui merci parce qu'il a permis que tu puisses presser de l'aurore ce matin. Élève ta voix, ma sœur, commence à prier. Alors, élève ta voix, ma sœur, commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. J'entends quelqu'un qui prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends une femme qui élève sa voix et qui dit à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Oh, dis-lui merci pour ta parole. Merci pour la parole. La Bible nous dit, si l'Éternel Dieu ne bâtit pas la maison, c'est qu'il la bâtisse travaille en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons recommander ton foyer entre les mains de Dieu. Ah, nous allons recommander ton couple entre les mains de Dieu. Ah, nous allons recommander ton fiançailles entre les mains de Dieu. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur, et commence à prier maintenant. Remets ton problème, le problème de ton couple. Est-ce que tu peux le recommander à Dieu? Dis-lui, Seigneur, regarde le problème qui sont dans mon couple. Monte-le, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, hein, venez à moi et je vous donnerai du repos. Est-ce que ce matin, nous pouvons lui apporter le mauvais caractère de ton mari? Est-ce que nous pouvons lui apporter le mauvais comportement de ton épouse? Le mauvais langage? Est-ce que tu peux les apporter à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, nous montons dans la présence de Dieu et nous remettons entre ses bonnes mains le problème que nous avions au sein de nos couples. Nous n'avons pas un autre. La solution s'appelle Jésus. Apporte-lui ton problème ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui est en train de prier pour son couple. Ah, j'entends quelqu'un qui est en train de prier pour son fiançailles. Oh, bien-aimé, tu n'es pas encore marié, mais devant toi, il y a un mariage. Car la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce genre d'enseignement te prépare pour ton futur. Élève ta voix et commence à prier pour ton futur. Futur mariage, élève ta voix, commence à prier pour ton futur ménage. J'entends quelqu'un qui prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier pour ton couple, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, tu vas dire à Dieu, mon mari n'a pas confiance en moi. Seigneur, tu donnes lui, fais qu'il puisse avoir confiance à moi, Seigneur. Je voudrais qu'il puisse avoir la confiance au sein de mon couple. Commence à prier pour la confiance. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu de travailler le cœur de ton mari. Pour que ton mari puisse avoir confiance en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, prie pour ton conjoint, bien-aimé dans le Seigneur. Commence
à prier pour lui, dis-lui, Seigneur, il ne sait pas me respecter. Je veux qu'il me respecte, Seigneur. J'ai besoin d'avoir un homme qui me respecte. Allez, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, il y a un problème de manque de respect dans mon couple. Il y a une absence d'amitié. Or, il a besoin de moi simplement quand il faut aller coucher ensemble. Mais sinon, il n'y a pas de dialogue au sein de mon couple. Parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de parler à Dieu. Élève ta voix et prie pour ton couple ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Toi qui es seul, commence à prier pour ta vie. Oh, prie pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te fasse grâce, que tu rencontres la bonne personne. Oh, dis à Dieu, Seigneur, lorsque je me marierai, oh, je me marierai pour la vie et non pas pour le divorce. Seigneur, fais-moi rencontrer la bonne personne avec qui je pourrai vivre éternellement. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, élève ta voix, nous sommes en train de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, bien-aimé, nous voulons implorer le pardon de Dieu dans notre vie. La Bible déclare que le pardon se trouve auprès de notre Dieu. Nous voulons implorer son pardon dans notre vie. Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas implorer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Demande à Dieu de te pardonner ce matin. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi pour le mal que je te fais. Oh, demande à Dieu de te pardonner ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Ah, pardonne-moi pour toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie. Demande à Dieu de te pardonner pour les mauvaises décisions. Oui, les décisions que tu avais déjà prises, bien-aimé dans le Seigneur. Les décisions de divorcer. Commence à me demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, pour toutes les mauvaises pensées, pour le penser négatif, pour le penser qui n'ont pas glorifié Dieu. Nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui prie, quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour de mauvaises pensées, pardonne-moi pour de mauvaises actions. Élève ta voix, ma sœur, et commence à demander pardon à Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus, commence à demander pardon à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, pardonne ma famille, pardonne mes parents, pardonne-moi, pardonne-moi. Ne me traite pas seulement mes iniquités, ne me traite pas selon les iniquités des autres. Seigneur, ayez pitié de moi. J'implore ta miséricorde dans ma vie. J'implore ton pardon dans ma vie. Alléluia. Inam est en train de prier au devant du trône de Dieu ce matin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons maintenant invoquer le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Élève ta voix là où tu es. Commence à invoquer le sang de Jésus. Nous allons invoquer ce matin le sang de Jésus. Élève ta voix, ma sœur. Commence à invoquer le sang de Jésus. Ah, le sang de Jésus, commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, alléluia. Oh, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Et Seigneur, j'invoque la couverture de ton sang dans ma vie. Allez, commence à invoquer la couverture du sang de Jésus-Christ. Demande au sang de Jésus-Christ de laver ton sang de tous les dépôts maléfiques, de tout mauvais héritage, de la sorcellerie, de l'envoûtement, de l'occultisme, l'héritage du divorce que tu as hérité de ton parents par le moyen de ton sang. Commence à purifier ton sang maintenant. Ah, j'attends quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, oh, purifie mon sang par ton sang. Au nom de Jésus, que ton sang purifie mon sang, que ton sang enlève tous les dépôts maléfiques qui sont dans mon sang. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, commence à prier maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ te lave et que le sang de Jésus-Christ te purifie. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia, nous sommes en train d'évoquer le sang de Jésus. Nous sommes en train d'évoquer le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour tout le problème que tu as. Donc, tu as des problèmes dans ta vie que moi, je ne connais pas, mais je sais que tu as des problèmes. Et j'attends quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, donne-moi la solution à tout le problème, à tous mes problèmes, Seigneur. J'attends ta solution. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la solution. Donne-moi la solution à ces problèmes. Quel est le problème que tu as? C'est le problème de santé. Le Dieu que tu pries s'appelle Jéhovah Rapha. Il est capable de te guérir de cette maladie. Il est capable de guérir ta fille. Il est capable de guérir ton garçon. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu la solution à ton problème. Oui, commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur,
Donne-moi la solution à ces problèmes. Ce problème qui me dérange, ce problème qui m'opprime. Seigneur, je viens au-devant de toi, Seigneur. Redemande et réclame la solution. Accorde-moi la solution à ces problèmes. Au nom puissant de Jésus, commence à prier pour la solution à ton problème. Allez, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. J'entends quelqu'un qui prie. Hein, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Alléluia. Que tout arbre de problème qui se trouve dans ta vie hein, soit asséché maintenant par le feu de Dieu. Or, que le feu de Dieu hein, assèche l'arbre de problème qui a été planté dans ton corps, hein, qui a été planté dans ta vie. Hein, que tous les arbres de problème que l'ennemi a planté dans ta vie soient coupés maintenant, soient asséchés maintenant, soient consumés par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, hein, commence à prier maintenant au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, le feu de Dieu consume tout arbre de problème qui est planté dans ma vie, hein, tout arbre de problème qui est planté dans ma famille. Hein, consume-le ce matin au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Demande à Dieu de te donner les solutions à tout le problème que tu rencontres dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Oh, quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, et que tout mirail d'opposition physique et spirituelle dans ma vie tombe selon l'ordre de Jéricho, hein, que le mur que l'ennemi a dressé contre ma vie, hein, que le mur qui m'empêche de rentrer dans ma Jéricho, de rentrer dans ma terre promise, que le mur que l'ennemi a construit pour m'empêcher de rentrer dans mon mariage soit démoli maintenant et tombe selon l'ordre de Jéricho, hein, que le mur de mes ennemis tombe selon l'ordre de Jéricho, hein, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la miraille de mes ennemis, hein, oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant. La Bible nous dit que Dieu les avait amenés pour les faire entrer dans un beau pays, un pays où coulait le lait et le miel. Mais l'ennemi a construit une miraille qui les a empêchés de rentrer dans leur bénédiction. Quelle que soit la miraille que l'ennemi a construite devant ta bénédiction, que cette miraille tombe maintenant. Alléluia. Que le mur que le diable a construit pour t'empêcher de rentrer dans ton mariage tombe maintenant au nom de Jésus. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. Ah, j'entends quelqu'un qui prie ce matin. Que la miraille que l'ennemi a construite puisse tomber maintenant. Ah, nous sommes en train de faire tomber la miraille. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que toute miraille que l'ennemi a construite tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Ah, j'entends quelqu'un qui va revendiquer que toute la porte que l'ennemi à fermer s'ouvre maintenant devant ta vie, hein, au nom puissant de Jésus. Il y a des portes que le diable a fermées, il y a des portes que la sorcellerie de tes ancêtres ont fermées, et que toutes les bonnes portes et toutes les opportunités que l'ennemi a enfermées s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Hein. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Allez, commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, quelqu'un dit avec moi, Seigneur, fais de mon cas un miracle. Ah non, quelqu'un dit avec moi, fais de mon cas un miracle au nom de Jésus-Christ. Ah, donne-moi la solution et fais de mon cas un miracle. Seigneur, accomplis un miracle dans ma vie. J'attends un miracle dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant que le mur d'opposition physique et que le mur d'opposition spirituelle tombe maintenant. Allez, selon l'ordre de Jéricho, ce miraille tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare l'année de la mort du roi Ozias, Esaïe a vu l'Éternel assis sur son trône. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton roi Ozias tombe et meurt. Or, que celui qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, que celui qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie tombe eux-mêmes, que ton roi Ozias tombe eux-mêmes pour que toi comme Esaïe, tu puisses voir l'Éternel assis sur son trône, que tu puisses voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia, que tout ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu dans ma vie tombe eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier maintenant. Alléluia, que ton roi Ozias meure maintenant, afin que tu puisses
puisse voir la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ et les Nazareth. Ah, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Au nom puissant de Jésus. David a dit, l'Éternel, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Est-ce que tu peux répéter aussi avec moi, Seigneur Jésus, oh, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Est-ce que tu peux encore le répéter? Oh, que le sorcier de ma vie ne se réjouisse pas à mon sujet. Oh, que le démon qui combat ma vie ne se réjouisse pas à mon sujet. Et que le principauté et les dominations dans le lieu céleste ne se réjouissent pas à mon sujet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que l'ennemi était venu dans la vie de David. Il avait pris, il avait volé, il était parti avec. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever et nous allons poursuivre les ennemis là où ils sont partis avec ta bénédiction. Nous allons le rattraper et nous allons récupérer tout ce qui t'appartient. Bien-aimé, lève-toi dans la prière maintenant. Allez, commence à poursuivre tes ennemis maintenant. Poursuis-les partout où ils sont partis. Poursuis-les partout où ils se cachent. Poursuis-les dans leurs maisons, poursuis-les dans leurs églises. Poursuis-les sous la terre, poursuis-les dans la mer. Poursuis-les partout au nom de Jésus-Christ. Ah, j'attends quelqu'un qui dit, je me tiens dans le sang de Jésus. Allez, commence à poursuivre maintenant. Allez, poursuis tes ennemis, rattrape-le et récupère tout ce qu'ils ont volé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, dépasse-le et récupère tes biens. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, commence à prier maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus. Non, j'attends quelqu'un qui dit avec moi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux encore répéter avec moi, Seigneur Jésus? Tu dis, guéris-moi de toutes les maladies, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous allons prier pour ta guérison. Nous voulons invoquer la main de Dieu dans ta vie. Demande à Dieu de te toucher par sa main. Dis-lui, Seigneur, étends ta main du haut de cieux et touche-moi pour que je sois guéri de ce mal. Guéris-moi de ce mal. Guéris-moi de cette douleur. Guéris-moi de cette maladie, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Commence à prier maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Jésus-Christ de te guérir maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toutes les blessures, des balles spirituelles que tu as subies à travers des attaques de tes ennemis soient guéries maintenant. Seigneur, guéris-moi des blessures de balles spirituelles. Guéris-moi des blessures de balles spirituelles. Le diable a jeté des balles sur moi et qui m'ont blessé. Je demande la guérison de ces blessures. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, commence à prier pour ta guérison ce matin. Ah, ce matin, j'attends quelqu'un qui prie. Ah, j'attends quelqu'un qui prie. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, commence à prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, commence à prier au nom de Jésus. Demande avec moi, dis à Dieu, Seigneur, étends ta main du haut de cieux et apporte-moi la solution à tous mes problèmes. Guéris-moi de toutes mes maladies et je te promets de te donner toute la gloire. Bien-aimé, nous allons prier maintenant, nous allons recommander ta journée entre les mains de Dieu. Tu vas recommander cette journée entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de bénir cette journée. Demande à Dieu d'être avec toi dans cette journée. Or, que tout ce que tu vas faire dans ces jours, en ces jours, puisse réussir. Que la faveur de Dieu marche avec toi et que la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de la journée. Allez, commence à recommander ta journée entre les mains de Dieu. Allez, recommande ta journée entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te confie ma journée. Alléluia. Arrose cette journée par ton sang. Arrose cette journée par ton sang. Bénis ma journée, ô Éternel des armées. Commence à prier maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Est-ce que tu vas prier pour, nous sommes au mois de janvier, et demande à Dieu, dis-lui, Seigneur, fais de moi un miracle à cette nouvelle année. Je veux des nouveaux commencements. Alléluia. Et commence quelque chose de nouveau dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Élève ta voix et parle à Dieu maintenant. Dis-lui bien-aimé dans le Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous sommes en train de prier pour ta nouvelle année. Nous sommes en train de prier pour de nouveaux commencements dans ta vie. Demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Fais du miracle dans ma vie. Oh, fais que cette année soit mon année, une année de faveur, une année de témoignage, une année de miracle, une année où je vais témoigner la gloire de Dieu et que les choses qui étaient impossibles dans ta vie deviennent possibles.
Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Recommande ta famille entre les mains de Dieu. Recommande tes projets entre les mains de Dieu. Recommande ta destinée entre les mains de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, demande à Dieu de protéger ta vie. La Bible nous dit, si l'Éternel Dieu ne garde pas la ville, c'est qu'il la garde travaille enfin. Demande à Dieu, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta protection. Oh, j'ai besoin de ta protection. Commence à demander la protection de Dieu dans ta vie. Alors, commence à demander la protection de Dieu dans ta vie. Oh, demande-le, dis-lui, Seigneur, couvre-moi, cache-moi par ton sang. Ah, cache-moi par ton sang, cache-moi par ton sang. Couvre-moi, couvre-moi, couvre-moi. Oh, que ma vie soit cachée dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez prier, bien-aimé dans le Seigneur. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, j'entends quelqu'un qui prie ce matin. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Maintenant, tu vas demander à Dieu de te donner la paix. La paix, la paix, la paix, la paix, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier pour la paix. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur, et commence à prier. Demande à Dieu de te donner la paix maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, commence à prier. Dis à Dieu de te donner la paix dans ta maison, la paix dans ton couple, la paix dans ton église, la paix dans ton lieu du travail. Demande à Dieu la paix, bien-aimé dans le Seigneur. La paix, demande à Dieu la paix. La Bible nous dit qu'il est le maître de la paix. Et il s'appelle Shalom, et celui le maître de la paix. Hein. Il en donne comme personne d'autre. Demande à Dieu de te donner la paix ce matin, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Or, quelqu'un doit dire avec moi, toute malédiction de la sorcellerie et de l'occultisme qui affecte ma vie financière soit brisée maintenant au nom de Jésus. Donc, que tu brises les malédictions qui sont en train d'affecter tes finances. Toute parole de malédiction, tout acte, toute coutume qui est en train d'affecter négativement tes finances, et tu vas les briser maintenant. Allez, commence à briser les malédictions maintenant. Alléluia. La malédiction de la pauvreté, est-ce que tu peux le briser maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Or, quel que soit l'instrument que l'ennemi a utilisé pour amener la souffrance et la pauvreté dans ta vie, le blocage financier, que ces instruments soient consumés par le feu de Dieu. Alléluia. Quels que soient les instruments que le diable utilise pour amener la pauvreté dans ta vie, et que ces instruments soient détruits maintenant. Et au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, recommande ta vie entre les mains de Dieu, recommande ta vie entre les mains de Dieu. Tu es en train de briser les limitations financières défondées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier au nom puissant de Jésus. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Recommande ta santé entre les mains de Dieu. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de marcher avec toi en ces jours. Que tous les lieux où tu iras, que le Saint-Esprit te précède. Que tout ce que tu feras aujourd'hui puisse réussir au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. J'entends quelqu'un qui prie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié. Quelqu'un dit avec moi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un dit avec moi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce programme, à la fin de ce précédé, Laurent. Que Dieu nous bénisse, vous qui avez pu prier avec moi ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée, une très 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 bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que cette journée vous soit favorable, que les portes s'ouvrent devant vous partout où vous irez, que vous puissiez marcher avec la faveur de Dieu. Nous vous bénissons vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous disons merci. Merci pour ce temps que vous accordez chaque matin de prier avec nous. Il y a beaucoup de prières qui sont en ligne, mais vous avez choisi précéder l'aurore. Que Dieu vous soit vraiment favorable, que Dieu vous bénisse. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà, aujourd'hui nous
nous sommes à l'église, donc nous commençons notre prière d'intercession, encore la chaîne de prière, à partir de 10h jusqu'à 12h. Et à partir de 12h, je serai à l'église pour les entretiens, cela jusqu'à 17h, après quoi il y aura la prière. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, après ces jours, si qu'on vient, c'est plus toi qui conduis la prière. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de former une équipe, et cette équipe, nous devons aussi le laisser le temps de s'exprimer. Mais je vous promets que d'ici là, donc c'est moi-même qui va reprendre beaucoup de choses. Donc soyez là à la prière. Donc je serai là, et le soir aussi je serai là. Donc nous sommes en train de continuer le travaux, et nous bénissons tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui envoient des 20 euros, des 10 euros, des 100 euros, des 1000 euros. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe le montant, que Dieu vous bénisse. Tout l'argent que vous envoyez, nous le voyons et nous sommes bénis par cela. Et nous ne pouvons pas citer vos noms quand nous sommes sur l'Internet. Mais si vous nous écrivez inbox, nous allons facilement prendre le temps de prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour votre participation. Donc, le travail avance avec votre aide, bien sûr, avec votre participation. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous prions que Dieu vous bénisse encore abondamment. Merci à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre amour. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Merci à vous vraiment. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Donc voilà, c'était le précédé Laurent avec votre bien-aimé et frère l'apôtre Boulavi Isaou. Que Dieu vous bénisse. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et au revoir.